Les papiers, maman. Les kaolo. Ouais, je suis en direct là. J'espère que tu vas bien. J'aime surtout quand tu parles du comportement des gens du pays, tu es drôle. Je voulais vous donner un japabla. On m'a donné ça pas, j'ai mal aux yeux, j'ai pas dormi depuis 3 jours. Je mets le collier dans les yeux. Maman, ou de japabla. Pas dormi depuis, mes yeux font mal. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà que je t'appelle, tu ne décroches pas. Je voulais te dire que j'arrive, que je suis entre parties du Cameroun là. Et je voulais savoir si tu vas pas. Je te fais un bon héros. Un bon héros. Je te promets et je vais me faire. Voilà quoi. Si tu pouvais venir à Paris, j'ai garé à. J'avais garé où tu connais. Tu viens à Paris, on continue. Si tu veux bien, s'il te plaît. Je t'embrasse. Connectez-vous d'abord quand vous êtes beaucoup. C'est là où je vais. Le japap du couple Vimba. Propre. Ouais, ça va. Tu dors encore. Oui. Non, je viens de me connecter. Il n'y avait pas la connexion. Ça ne passe pas bien. Je suis à l'aéroport. Merci. Oh, il y a trop la chair. Oui. Il y a tellement la chair. J'aime pas quand il y a la chair comme ça. Oui, j'aime les os. Merci. Excuse-moi. Ça va pas faire mon cuisse. Comment? La cuisse. Il y a toujours la chair comme ça. C'est mon cas. Oui. Il y a trop la chair. J'aime pas, il y a un peu les os. J'ai à l'aéroport, je vais manger. Oui, d'accord, c'est bon, je vais manger comme ça. Tu sais. Non, je suis à l'aéroport, j'ai fait la fête hier. Toute la soirée, il tourne, on avait il y avait l'anniversaire, il y avait, c'était chaud. On a un joker jusqu'à, on a continué. Je t'ai dit, je vais manger là. Mon vol, c'est à 14h. J'avais peur de dormir, et il y aura que. Parce que la fille qui vient de la matière, elle part en demain. Là, c'est dimanche, je me suis sorti. Là, c'est des marches à faire.
Ouais, si, il y avait même l'hôtel ici, là, à l'aéroport. J'allais me coucher, je dors. On te dit, 3 jours de fête, c'est non-stop. On te dit, c'est comment là-bas, Paris? J'ai appris qu'on va me taper. Moi, j'arrive demain. Comme j'ai garé, tu vois où je gare souvent. Je vais. Ne me parle plus de cette femme, c'est quoi? Je t'ai dit, ne me parle plus d'elle. Oui. Eric, demain, non. J'arrive et viens m'asseoir chez Joël de Château Rouge. Je pars, j'ai garé à Aimont-Aubonne. Je démarre la voiture. Je vais là-bas, chez Joël de Château Rouge. Et je vais voir. Comment vous aimez taper les gens avec la bouche à Paris? On va te taper. Taper qui? Je Wanda même. Non, cela ne m'intéresse pas. Ce sont les gens qui gagnent. Quand tu parles. J'ai dit que dès que j'arrive à Paris, je ne vais pas démarrer la voiture où je gare et je m'en vais acheter les bâtons de manioc. Parce que je n'ai pas voulu payer les histoires de vous. Château Rouge. Ben, retrouve-moi à Château Rouge alors. Château Rouge, je suis. Retrouve-moi à Château, à Aimont. On va à Château Rouge. Oui, Aimont, c'est mieux, on va à Château Rouge. Je m'en vais, je vais leur montrer que le matin, non. 8h. Le temps que le vol arrive, je prends le taxi, il me dépose là-bas. Je démarre la voiture. J'ai même laissé éclairer la voiture. Je me démarre la voiture, je vais à Château Rouge, je fais le tour à pied. Je vais leur montrer qu'un. Pas les conneries que les gens racontent là. N'importe quoi. J'ai appris qu'on va me taper. Il y a un groupe de femmes sans adolescents qui ont dit qu'elles vont me taper. Un groupe de vieilles, vont vous montrer que la France, c'est mon pays. On est qu'un Français dans son pays, maman. On fait des choses là quand je suis ici. Mais même si on me porte plainte, n'est-ce pas, je vais au commissariat. J'ai peur de la plainte. Moi, voilà. Combien de plaintes sur ma tête? J'ai beaucoup de plaintes. Donc, si on me porte plainte, c'est mes possibles blogueurs, je dénonce. Elle vaut quoi? C'est les gens qui m'ont apporté plainte. Elle connaît combien de procès j'ai eu. C'est normal. Mon travail normal. Je te laisse, disons. Mal au Japon. Vous me tapez, maintenant c'est la plainte. Je vais vous montrer que je suis une racaille. Pourquoi souvent les gens comme ça sur Facebook croient que. Moi, je suis fille de Roubaix. Est-ce qu'on me met depuis, vous croyez que machin, tout ça là. J'attends qu'ils vont me caler. Est-ce que vous avez vu qu'au Cameroun, je vis même mieux qu'à Amé. Donc, elle va rester au Cameroun. On va tout faire. On se voit au deuil, non. Veillez sur le 3. Maman, c'est un show étonnant entre Vemba. Je vous donne le Congo ça. Hier au Hilton, il y avait l'anniversaire de Sandra, la belle fille du père et de la mère. Donc, les gens sont arrivés, l'anniversaire. Moi, c'était pas moi. J'étais là dans mon coin. Puisque moi, maman, nous, j'ai notre couloir tranquille. Donc, je suis partie en haut au 11e. J'ai pris 3 bouteilles de champagne. On était 2. Avec les gambas, on a mangé. Tu vois un peu. On a bien mangé. On m'a offert. Joka jusqu'à après j'ai quitté le Hilton, nous sommes partis encore, il y avait tellement de Joka, moi on a encore continué où là où des Queen, la seule fille de l'île qui a fait preuve, Zaveri Okala, elle a ouvert le Queen Lounge. Je connais pas trop les quartiers,
Je vais là-bas, je suis allé là-bas, j'ai bu, bu. Quand je rentrais, dès que le chauffeur m'a déposé au Hilton, que ma faux. Voilà alors la copine, la tatate copine de Sandra, une Algérienne. Elle est venue me voir, elle a pleuré. Hey, maman, ma faux lance, je dirais, les filles m'ont fait ça fort. Elle a commencé à dire que ça fait 30 ans qu'elle a mis avec Sandra. Et que elle est partie chez elle à l'anniversaire. Après, les problèmes ont déclenché là-bas qu'elle a caressé Vemba. Là, maman, Coco a dit que la fille l'a caressé. Que la fille algérienne là. Parce qu'elle m'a dit que ma faut lance le direct, pardon. J'ai dit que maman, je suis qui? Elle a dit que les filles là m'ont humilié, lance le direct. Il faut les chouer. J'ai dit que maman, elle ne peut pas. Maman, on parlait. Elle était en bas, non? Elle m'a raconté que oui, quand ils étaient en train de fêter l'anniversaire de Sandra, après l'état, elle s'amusait avec Vemba, elle dansait. Coco est venue dire que tu as caressé mon mari, oh, qu'elle a dragué. Maman, l'anchama a commencé, on l'a chassée. On l'a mise à la porte. Et il t'a tapé le deuil. Elle a dit quoi? Que Sandra me chasse. J'ai calmé, j'ai dit que maman, c'est vous les choses des gens qui ont l'argent là-bas. Maman, j'ai quoi? Je suis là aussi, j'ai aussi le petit couloir. Maman, c'était chaud. Elle m'a dit que ma faut. Ouais, pardon, lance le direct. J'ai dit que maman, je lance. Pardon, elle a dit que ma faut, te donne mon chantier. J'ai mon chantier maintenant. Il lui a dit que ma, il est à 3h du matin, sont à chasser. Elle dit que quoi? Je suis la mère de ça à 2. Puis, elle dit que ma faut. On te suit jusqu'à quand on ne te voit pas, on tombe malade. Quand quoi? Tout le monde te regarde. Ouais. Pardon, j'ai mon problème. Elle dit que quoi? Elle n'a jamais caressé Vemba. Elle dit que ma foi, je n'ai pas caressé cet homme. Je ne l'ai pas caressé. Les pleurs de ça. Elle me dit que va au 9e, tu tapes la porte et tu lances le direct. Elle dit que ma foi, dit que c'est moi, je suis algérienne. Je suis la mise de ça, ça fait 30 ans. Donc, elle a choisi Coco en moi. Que, elle dit que, on a que, à cause du couple. Que d'accord. Départ à destination de Maman, elle dit que pas de chantier à moi. Elle dit que, maman, mon chantier, allons là où il y a l'anniversaire. On sonne, dès qu'on ouvre, tu lances le direct sur les filles, elles vont tomber, elles vont fuir. Elle a commencé à pleurer. Oh, comment Coco peut l'accuser d'avoir caressé Vemba? Elle dit que maman, tu faisais quoi à côté de son mari? En plus, tu as habillé, tu as mis le mignon avec les personnes sur le nombril. Peut-être le gars t'a guetté. En plus, tu es une ouate. Oui, en plus, tu es une ouate parce que les gens là. Les gens qui ont l'argent ici là aiment fantasmer que sur les watts. Elle dit que non, c'est Vemba qui l'a regardé. Elle n'a jamais regardé le Vemba. Que non. Coco s'est plaint qu'arrête de caresser mon mari. Nanchama a commencé, n'a balata. Et Sandra a choisi Coco. On l'a mise à la porte. Elle me dit que quoi? Que Sandra, c'est une timbrée, elle m'a chassé. Que ma faut sans la sécurité, elle m'a chassé. Lance, je dirais, on va au 9e. Elle dit que maman, tu veux que je. Elle m'a dit que ma faut lance, je dirais, les gars là ont tombé dans ce songo. Elle dirait, allons. Elle dit que maman, Coco est là-bas sauvage, elle n'est pas là-bas, elle peut m'attraper la bagarre. Est-ce qu'elle va dire que c'est sa grande soeur?
Est-ce qu'elle m'a dit que c'est sa vie? Elle m'a dit que allons. Elle a dit que moi. Moi. J'ai eu pitié d'elle. Elle était là. Moi, fond. Je ne connais plus la batterie. Elle s'est en train de boire, Vemba est là. Elle est là, maman, fond. Elle m'a dit que ma fond. Vemba est là, main dans la main. Allons, tu confirmes qu'ils sont ensemble. Elle dit que non, c'est son mari, non? Elle dit que franchement, elle est trop déçue, elle a pleuré. Hein. Elle a pleuré. Elle dit que moi, je suis algérienne. Et puis, elle m'accuse d'avoir de chercher à Rachel. Oui. Que Coco a tapé. Donc, on l'a chassé du Hilton. Pas du Hilton, du 9e où il y avait l'anniversaire. J'ai dit que Marie, il fallait venir au bar, on buvait. J'avais 3 bouteilles de champagne. Elle dit que ma femme, on t'a vu en venant. Hein. On t'a vu au. On était dans la grosse vieille voiture. Tout le monde t'a vu que voilà ma faute là-bas. Hmm. Que maintenant, ta voiture va me trouver ici. Quand nous, on t'a vu. Tout le monde dit que c'est pas elle. Les autres ont dit que c'est. Vous êtes sûr que c'est ma faute là-bas. Nous, on dit que c'est elle. Les gars, bien ce flot de vie, maman. Donc, elle dit que maman, les choses et les personnalités, maman, elles sont. Oh. Non. Non, maman, elle m'a dit que ma faute. Les filles là sont là-bas, lance le direct. Elles vont écouter tout. Lance le direct. J'ai dit que maman, elle n'est pas la batterie. Elle ne peut pas lancer le direct. Maman, elle est sur lance le direct. On envoie les niais m'arrêter là-bas. Hein? Maman, j'ai dit que maman, tu sais, moi j'ai le chantier, mais ta qualité de chantier, si. Elle dit que non, Coco l'a sauvagé. Que Coco a dit qu'elle a arraché Vemba. Elle me dit que moi, une Algérienne, je fous quoi avec Vemba. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais dragué. Oui, elle me dit que moi, je fous quoi avec lui. Je le drague par quoi. Est-ce qu'elle dit que j'ai caressé ses testicules? Quand on a caressé les noyaux, qu'elle a vu comment que la fille algérienne caressait. Elle a même dit qu'elle a salué dans le direct. Oui, elle dit qu'ils sont venus à l'anniversaire, comme tous ceux qui sont venus. Maman, vous savez que moi, je lui ai dit que c'est son mari, et c'est l'amour qui est entre eux. Elle dit qu'elle est très fâchée, qu'elle est très fâchée contre Coco et sa copine Sandra. Elle dit que comment Sandra a choisi Coco à elle. Mmh. Que comment on peut dire qu'elle a cru dès que Coco s'est fâché que oui elle a gragué mon mari jusqu'à caresser elle a caressé les ouais les filles là où c'est la chicha que les filles la fument ou c'est quoi voilà maman dans le japon là non elle m'a dit comment faut filmer moi que maman. Ou qu'on m'appelle pour dire enlève. Que parlons, filme-moi. J'ai dit que maman, tu pars où? Elle partait où c'est le golf? Où c'est quoi? Oui, on ne connaît pas les quartiers. Le quartier des milliardaires, c'est quoi? Elle rentrait. Et tant que j'ai dit que par nous, il faut qu'on fasse, elle rentre. J'ai dit qu'elle fasse un truc, elle rentre. Elle était là, elle dit comment faut. Non, machin. J'ai dit que non. Je pouvais l'entraîner. Venir boire avec moi, mais j'étais aussi fatiguée de boire. J'ai attendu ce qu'elle est montée dans la voiture et j'ai dit à la personne qui la porte que pardon, accompagne lorsqu'elle entre dans la maison avant que tu pars. Non, c'est mon repas de midi. Éthiopien, leur nourriture, non. Moi, je mange comme ça, je mange pas dans l'avion, moi. Je dors parce que je prends les médicaments. Je m'en parle de midi, chérie. Je n'aime pas le piment, c'est pas possible. Pas le pépin. Les Africains mangent ça. Maman, elle m'a dit que ma faut filmer, moi tu me mets à la PDG TV. J'ai dit que maman, pour que le gouvernement m'appelle pour dire que enlève maman. Non. Adieu.
Ça ne doit pas. Pardon. Il faut appeler ta copine algérienne, elle a trop pleuré hier. Il faut l'appeler. Elle était très mal. Il faut l'appeler, elle n'a jamais caressé Bemba. Jamais. Elle n'a jamais caressé. Elle dit que tu t'es vu comment tu es habillée, mamie. Donc tu t'es placée comme ça. Elle dit que c'est Bemba qui la regardait. Ça avait des piercings, le genre que quand l'homme voit, elle était sexy, classe. Oui. Parce que je suis que si elle continue à dénigrer, il va prendre une personne autour d'elle, juste pour la nuit. T'invite à Brazzaville au Congo. Le piment est cher. Le roi le japonais. Pardon Sandra, il faut appeler ta copine algérienne. Elle a trop pleuré au Hilton, elle a failli pleurer. Elle a failli tomber. Moi j'ai attendu ce qu'elle a pris son. Le chauffeur est venu la chercher. Elle conduit un peu. Mais elle avait un peu bu quand même. Il y a aussi la jonction, ça. Je pense qu'elle avait un peu saoulé quand même. Bonjour maman Pépé. C'est comment ma cour? Je suis en train de rentrer. Je suis à l'aéroport. Je perds le temps. Je perds le temps. Je perds le temps. Tu me salues, Doudou, notre beau dégo. Que je vois le bon travail. Sandra, pardon, appelle-toi quand tu vas te lever parce que vous avez trop de joker. Moi-même, normalement, je vais bien. Maman, elle coupe là. Où est-ce qu'il y a la jalousie dedans? Bon voyage, merci chérie. J'arrive à Paris. Demain, matin, je vais à la maison. Je remonte, je dors quand même. Je vais à Lille. Non, je vais d'abord au deuil. Comment je vais faire le programme? Il faut que j'aille voir la fille de la doyenne. Je vais aller au deuil. Émilie, il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille là-bas. Donc, ce que je vais faire, j'arrive demain matin. Je pars à la maison, je me repose mardi, je vais à Lille, mercredi, c'est pas à Lille, Choupi va vouloir qu'elle dorme maintenant. Parce qu'on peut parler à Lille comme ça, il faut qu'elle fasse un aller-retour, parce que la matière. Merci chérie. Merci chérie, merci ma copine, merci ma co. Je suis tellement fatiguée, j'ai tellement enjoy. La menace, genre officielle. Mais le commissaire dit que Bemba Touma, le maquilleur de quoi? Quoi? Il est double signe, non? Mais bon, qu'est-ce qui m'étonne? Les gars arrachent, hein? Les gars arrachent les maris, les gens ici, hein? Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens veulent tester des choses. Moi, je ne juge pas. Mais quand même. C'est où là-bas? Moi, le Congo, ça y a les vols. Ils sont calmes. Ils ne tournent pas ça. Donc, ils tournent qui, maman? Un gars. Les hommes là. Arrêtez de prendre nos maris.
Remarquez un fort. Ce qu'elle m'a cœur. Le poulet du Cameroun est bon. Il y a beaucoup d'hommes doubles sur ma. Tu vois, un homme, il est vieux, une main. Il n'y a que les hommes. Deux femmes encore, ça va. Je vois, je suis quand. Mais bon, je ne juge pas. Tant que quelqu'un sent son goût. Elle est en train de dire que quoi sur Snap? C'est son mari, non? Quand tu as un petit angle avec ton nom, oui, vous même. Je connais quelqu'un sur Facebook qui mange à nous le matin. Avec le piment. Je reviens sur Paris. Je m'en vais. Bon appétit, ma fou. Merci, Tala. Il y a rien qui mange, ma chienne. Toi et la nourriture. Si je mange, ça fait quoi? Toi et la nourriture. Il y en a sur Facebook qui déjeunent avec le spaghetti et le piment. Sans bien, sans rien. La famille de ça. La famille de ça. Et que ça va commencer, non. Ils étaient ensemble hier, non. Attendez un peu. Attends, pourquoi on est en train d'insulter Vemba sur Snap? Il y a un problème là. C'est pas normal, il faut. Non, c'est pas possible. Eh, il faut qu'on te Snap, non. Non, c'est pas. Ils étaient ensemble hier. Comment vous dites que ça peut s'insulter? Non, elle n'est pas facile. Je ne crois pas. Je ne connais pas. Elle est en train d'insulter Bemba sur Snap. Non, c'est pas possible. J'étais ensemble hier, bras dessous, pas la photo. Je suis ensemble hier. Les gens là jouent à quoi? Ils jouent à quoi? Ils sont en train de s'insulter. Mais elle a un problème. Bemba. Prends une autre autour, non. L'Algérien, là, elle est belle. Mais elle a dit que tu ne. Mais prends une Congolaise, non. Attendez, voici les photos hier soir. Les voici à deux, non. C'est même pas Coco et Bemba ici, là. Regardez. Attends, il met les photos. Il y a les photos de Sandra, je ne poste pas. Coco, c'est une star, elle est sur Facebook, partout. Mais les photos Sandra, non. Bertrand, le pâtissier qui a été débloqué. Attendez, je mets les. Oui, c'est bon, merci ma chérie. Merci. Voici les photos quand ils étaient hier, bras dessus. Coco a maigri, hein. Ouais. L'enfant de Trouy. Voici la main, c'est ce qui. Les voici. Là, voici, voilà la main, voilà le bras de Vemba. Voici l'autre. Je laisse oui. Voici ça. Les voici, non.
Ça, c'était hier soir au hip-hop. Les voici, non? Ce n'est pas le couple là, ici, là. Ce n'est pas eux ici. Mais si un homme, si une femme insulte son mari, ça fait quoi? C'est son gars, non? C'est son mari, son mari. Maya non déclaré, Maya du pays. Ils sont officiellement mariés ici au Cameroun. Mais pas en mais. Vraiment. Je t'ai dit que quand je vois Brésil, que Vemba qui est passé l'autre jour à la télé, il a dénigré, dit qu'elle avait contribué 2000 euros. Ou c'est 2000 euros, c'est 3000 euros, 2 millions pour son mariage. Vous avez vu comment il a Vemba l'a descendu. Il a dit que c'est sa chose. Ce n'est pas elle qui est en train de l'insulter. Je suis désolée. Ce n'est pas elle. Les voici ici. Non. Ce n'est pas elle. Il y a les faux comptes Snapchat. Ce n'est pas elle. Vous, si on vous prend quelqu'un comme ça, tu prends, ils ont passé la nuit ensemble. C'est comment? Donc hier soir qu'ils étaient ensemble en train de boire les dons Pérignon. C'est déjà fini. Non. Ce n'est pas elle qui insulte. Laissez. C'est son mari. Vous n'insultez pas vos hommes. Elle a insulté, ça fait quoi? Quand il est parti là-bas, quand à un moment il était sans abri en France, il n'a pas tourné dans un pays là. Combien de gars il a embrassé ce snap partout? Un homme marié fait ça. C'est parce qu'il est marié en Afrique. En Ben, il ne peut pas officiellement marier, embrasser une autre femme. C'est l'adultère et c'est condamnable. C'est ce qu'il a fait, cette histoire. Ce n'est pas Coco qui écrit, ce n'est pas elle. Ce n'est pas possible. Ce n'est jamais elle. On sait pas, ce n'est pas elle. La façon qu'ils étaient hier là, lorsqu'on a chassé la fille algérienne, parce que le Vemba l'a regardé. Tu ne peux pas me dire que ce matin, c'est rien, non? Moi, je ne connais pas Snap. René, vous mettez sur Facebook, je veux voir. Ma faute, j'étais vue hier au supermarché à Yaoundé. Tu es très belle, merci. Ah, j'étais à Carrefour hier, chercher le papier alu, papier film. Merci, chérie. On s'est salué ou pas? Les gens me regardaient trop, pourquoi? Moi, je suis timide, hein. Tout le monde me regarde comme si je suis entré dans une boutique, c'est parce que les gens me... Je suis entré seulement acheter un truc pour rien. Copine, ce n'est pas elle. Elle soulève. Ah, d'accord. D'accord, copine, Mako. Je savais que ce n'est pas elle. Ma copine, on va au deuil quand? Je suis obligée de revenir au Cameroun pour l'enterrement de la doyenne. Je suis obligée de revenir. Parce qu'il faut l'accompagner. Cette dame, elle mérite l'accompagnement jusqu'à. J'ai mis une chanson de la doyenne. Quand elle veut passer à Autochou, n'arrive pas. Maman Guéa. J'ai mis une chanson de la doyenne. Voilà le couple Vemba hier en train de boire les champagnes. Les voilà. Mettez tous vos choses, vous l'insultez. Non. Coco doit venir. Coco, il faut revenir dire qu'on insulte plus Tom Francis. Hein. Que vous vous êtes réconcilié. On attend ce message de ta part venant de toi. C'est vrai, tu nous as jamais dit qu'il faut le laver, rincer. Mais nous, on a vu comment tu as été mal. La façon qu'il s'est comporté, même quand il y a l'adultère, on se cache. Donc, ça nous a fait mal. On l'a manqué le respect, mais il est notre beau-frère. C'est comme ça. On va s'excuser quand tu as fait une sortie pour dire que tu l'aimes. Ne fais pas en cachette. C'est ton mari, tu n'as pas besoin de te cacher. Chanson de maman Guéa. Maman, est-ce que vous savez que je suis fatiguée? 3 jours de fête.
bien, mais vraiment pour une personne comme moi qui voyage beaucoup, le Hilton de Yaoundé, franchement, c'est le nom. Mais il faut faire les travaux. C'est trop vieillot, il faut retaper. C'est quoi les tapis là? Les tapis là, c'est trop. Non, 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 non. Comment? C'est quoi ça? C'est vrai, ce Hilton, mais ça nous met. C'est trop. On va dire que c'est délabré parce que ça sent la moisissure. Et ce n'est pas normal. Il faut refaire les travaux. Les clients, moi, je suis une cliente. Donc, c'est normal. Il faut laisser les avis que le directeur là. Essayer de faire les travaux, Hilton. Il faut faire les travaux. La prochaine fois, j'aimerais qu'on me loge à. Il y a un autre hôtel là, non? Où on avait amené les bloqueuses d'État là. J'aimerais bien aller là-bas. Ah, ils sont en travaux. Hein? Ils sont en travaux sur. Ah, ok, franchement, il faut qu'ils fassent les travaux. Non, 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 non. Ouf! Vraiment, ça me fait comme un jour, je suis allée à l'hôtel des députés, là. Franchement, je suis entrée, je ne sais pas s'ils ont fait les travaux déjà, mais. J'étais choquée. Je suis passée par Hilton, je donne mon avis et je serai encore relogée là-bas le mois prochain quand je reviens. C'est pas comme si. Ma fortune n'a pas loupé le Hilton. Non, c'est vrai. La vie du client compte. Les tapis, tout ça, il faut refaire les travaux. Non, 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 il faut refaire des travaux. Comment? Mais attendez, c'est l'hôtel Hilton le plus. Franchement, il n'y a pas de décoration. Quand on parle de l'hôtel Hilton dans le monde, je pense que pour le Cameroun, là, c'est le dernier Hilton. L'hôtel, c'est le dernier. Il faut faire les choses, je ne sais pas. Regardez un peu en bas, où on s'assoit le bar. Mais c'est plus ce genre de chaise qui est à la mode. À la mode, c'est. Quand quelque chose est à la mode, il faut rénover. Il faut rénover. La moquette n'a pas changé depuis des siècles. C'est normal. Ouais. Il faut prendre un décorateur. Il faut changer. Ça, c'est vieillot, ça. Non, mais c'est. Moi, on m'a dit de donner mon avis. On a écrit. Est-ce que c'est que c'est le sabotage? Non. Je suis cliente. J'ai le droit de dire que ça ne me plaît pas. Par contre, le service, c'est. Et salut les filles du 11e étage. Je m'avais bien servi, non? J'ai oublié les noms. Parce que c'était les abeilles, m'ont dit qu'elles prononcent nos noms là-bas, pardon. Ouais, j'ai oublié les noms. Il faut souvent m'écrire les noms, hein. J'ai dormi, j'ai oublié. Et salut le service du 11e étage, au bas en haut. C'était nickel. Franchement, vous êtes. Il y a beaucoup de personnel quand même. J'ai beaucoup aimé. Vous êtes bien habillés, vous êtes polis. Franchement, c'était magnifique. Et puis, j'ai mangé aussi ouf. Au restaurant en bas. Le service aussi, c'était bien. Le matin, j'ai pris mon petit déjeuner. J'avais pas trop le temps de déjeuner. Enfin, c'est pas dans mes habitudes de prendre le petit déjeuner. C'est pas dans mes habitudes parce que j'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Par contre, j'ai pris une salade. J'ai fait le. Service. Et puis j'ai pris un verre de vin. C'était le midi, j'ai mangé une bonne salade. Attendez, je vous montre. J'ai mangé la salade au bord de la piscine. J'avais envie de respirer un peu de l'air. J'ai beaucoup aimé le service. Le service du Hilton. D'ailleurs, je salue aussi la team qui est là-bas en bas au restaurant. Ouais, maman, tu m'as donné le nom, j'ai oublié, non. Écrivez sur les noms quand vous dites que ma faut prononcer mon nom, ouais. J'ai oublié, maman, pardon. Le mois prochain, quand je vais au Cameroun, je note vos noms. Comme ça, je vais citer. Ouais.
11h, ouais. L'embarquement commence à quelle heure? Je vais dormir dans le vol. Ma fille, on va avoir une deuxième fourchette. Vous faites la salade? Non, il n'y a pas de salade? Moi, j'ai envie d'un truc. Quand je mange comme ça, il faut prendre une salade. La salade se prend avant ou après? C'est pas un truc. Mais bon. Après, je mange jusqu'à demain. J'ai mes médicaments que je dois. C'est frais, n'est-ce pas? J'aime pas quand c'est glacé. Quand c'est frais. Non, non, c'est... Ah, on va faire maintenant une salade comment? Les feuilles vertes, n'est-ce pas? Laitue, les laitues, oui. Avec quoi? Attends, mélangez pas de tomates. Et demain, d'abord, c'est la laitue. Demain, oui. Sans tomates. Juste vraiment. S'il y a la salade de chou rouge, ça, moi ça me va. Maman, si ça ne va pas, je signe le crédit. Moi, pourquoi tu es fatiguée comme ça? J'ai une gnasse toute la nuit. La tousse pas été de taille. Ma foi, pourquoi tu es fatiguée? Tu veux qu'elle dise quoi? Vous n'avez pas de père pour les abeilles. Vous n'avez pas encore de père. Comment? Vous n'avez pas de père. Tu me dis quoi? Vous n'avez pas encore de père. Vous n'êtes que des enfants bâtards. Les enfants bâtards. Les abeilles sont les enfants bâtards. Vous n'avez pas de paix encore. Vous avez les paix partout, mais vous êtes tous en paix. Vous n'avez pas dit que je choucré. Mais parce que tu le chou. Moi, juste le chou. Le chou rouge, n'est-ce pas? Oui, avec la vinaigre, ça me va. Chou rouge. Oui, avec la vinaigre, la sauce vinaigre. Non. Oui, on ne met rien, pas de tomate, rien du tout. Juste le chou simple. Chou. On laisse aller tuer. Chou rouge. Mais sinon, hein, Léna, tu peux mettre quelques feuilles de laitue et puis me mettre le chou, non? Oui. Maman, je mange. Quand tu as une gnasse toute la nuit, vous aimez entendre les mots comme ça. J'ai une gnasse. Maman, encore fini. Là où je suis là, je marche car le ventilateur dans mes fesses pour te permettre. Te permettre. Ça, c'est la mouche. Bon sang, arrête de couvrir l'eau. Arrête de vouloir entrer dans mes verres. Mon verre, c'est quoi? Je te dois quoi? Une femme qui au Canada, elle a froid. On ne t'écrase pas. Tu as une fixation sur ma vie. Tu es déjà allé où on a vu? Tu parles à une fille comme moi qui est au Qatar, qui voyage de ses propres moyens. C'est même pas que le job. Tu as quoi? Arrête pour sanguiner cette mouche. Bon. Madame? Oui? Pardon. Cette mouche, qu'est-ce que tu veux à ma vie? Tu es déjà allé où dans ta vie? Koun, nous sommes en deuil, mon frère chéri. Nous sommes en deuil. La doyenne n'est plus. Pardon. Je suis... J'espère que tu seras au deuil. Salue-moi la belle Olivia. Pour que sa copine Sandra avait l'anniversaire. Et que c'était chaud. J'ai le Congo, ça source sur. Voilà. Congo, ça de l'anniversaire. Sancha. Il y a eu les caresses des couilles. Donc le pays, vraiment. Donc un convénement, on le discute. Hein. Quelqu'un qui a 11 enfants. 11 enfants, 9 mai. Un Congolais qui il sait seulement, il a seulement la bonne parole. Un Congolais. Le meilleur risque, c'est un Camerounais comme nous. Oui. Quand laisse ses frères camés qui sont ici au Congo donner le bonheur à un Congolais. Un Congolais même qui nous manque le respect. Il a dragué la fille algérienne. Et il a tourné pour dire que c'est la fille algérienne qui voulait le caresser. Tout ça dans l'anniversaire des hauts placés. Regardez les disputes qu'on a caressées. Regardez. On a chassé une qui pleurait en route. En plein goudron du Hilton. C'est moi qui l'a consolé. Que maman ne pleure plus. Elle a dit, oh, que ma foule, là, on se dirait, on parle.
Ma voix longue. Comment ça, les Algériens sont les noirs. Pour vous dire que les hommes sont rares, malades. Vous savez, avoir un chaud, c'est différent d'avoir un mari. Avoir les dragueurs, c'est différent du mari. Parce qu'elle a été mariée. Pas Bossang qui marche sur mon côté. Voilà cette mouche. Bossang qui te voilà qui monte. Tu es en train d'aller, regarde. Tu marches sur les camps. Je te laisse, j'ai pas envie de taper le pied sur toi. Avec ta large tête. Dès que tu entends quelque chose. Mais bien à Paris, non? Mais la femme, si j'étais bien à l'Olympia, tu n'as pas fui. Et il faut qu'on aille raser les murs à l'Olympia. Bon sang, si tu es une femme, prends ton billet d'avion, tu viens à Paris et tu me donnes rendez-vous. C'est comment? Viens à Paris, on se voit. Il y a le deuil, non? Viens à Paris. Entre nous deux, une personne va dire, va te manquer le respect. Tu n'as pas été un peu bientôt aux États-Unis. Que je ne peux bientôt au Canada. J'arrive au Canada là. Et langue noisoute. Une vieille chose que son mari ne niaise plus. Tu vois ça, une femme qui prend du plaisir. Une femme qui n'arrive même pas à mouiller. Tu es sèche. Ton mari ne te touche plus. Et ben, elle est terriblement une femme qui s'est dotée seule. Tu parles de quoi? Bonne année. Magui Poto, ma soeur chérie, bonne année. C'est un vieil show de Paris jusqu'à va me taper. J'ai dit que demain, je porte ma voiture bien garée chez Jean le Château Rouge. Je l'appelle. Je vais d'abord lui dire ça. Que demain matin, je viens chez lui pour rien. Je viens chez Bâton de Manioc. Moi, ma chef phytosanitaire, là, j'ai dit qu'elle ne paye pas. Donc, je ne porte plus la nourriture. Ah, c'est je t'en bats. Oh là là. Bébé, décroche-moi, s'il te plaît. Quand vous me cherchez les points, je vous bloque. Voilà maintenant qui fait le commentaire sur WhatsApp parce que tu avais bloqué sur Facebook. Tu dis que tu commentes maintenant sur WhatsApp parce que tu as compris que quand on vous bloque, vous allez partir. Tu m'avais mal parlé, tu es bloqué. Et voilà, tu as entendu que le Hilton, je suis en train de vous dire, mais tu commentes sur mon WhatsApp. Tu vas d'abord t'excuser. Il faut que tu t'excuses. Parce que tu m'as manqué le respect. J'ai dit que j'arrive à Château Rouge demain, lance le direct. Et je vous attends. Je vais vous montrer que je suis roubaisienne. N'importe quoi. Si vous ne voulez pas qu'on ramasse tous les sans-papiers de Château Rouge là. Si vous ne voulez pas. Ouais, mais on va taper une Française dans son pays. Maman. Maman. Que quoi? Tu as eu les poils avec un blanc. Vous aimez Ya. Quand tu as les poils avec un Français blanc. Que la police, c'est lui qu'on supporte. Les Français ne tournent pas. Ils supportent leur frère Goa. On tourne toujours pour le libérer. Vous avez vu, non? Entre toi et moi, on va voir qui est le cas. Cherchez-moi les problèmes. Et visa, 6 mois de visa pour le Cameroun. Voilà mon visa. Je ne suis pas comme vous. Sauteur de métro. Voilà le visa. J'ai 6 mois de visa. Mutuellement. Porte quoi? On parlait de qui? On parlait de qui là? J'appelle Joël. Attends, depuis quand un Français. Mais vraiment, les Africains, vous êtes terribles. Vous. Déjà, on vous donne les allocations familiales, ça ne suffit pas. Maintenant, vous voulez taper une Française dans son pays. Depuis quand tu parles à un Français pour en France, maman? Dans mon pays, viens faire ça au Cameroun, maman.
Venez, je vais vous attendre. Si vous voulez qu'il y ait un combat entre les abeilles, si vous voulez de ne plus jamais vendre là-bas sur la rue là. C'est là où les gars. Où on va te taper. J'appelle Joël tout de suite. Je lui dis que je suis là-bas. Porte quoi. Mais vous aimez, j'appelle Joël. Tu mets le haut-bas. Mais on ne peut pas taper, non. On va voir. Comme j'ai dit que je suis calme depuis. Ouais, Joël, décroche. Je vais te laisser au message pour les femmes là. Allô, Joël. Oui, c'est comment? Oui, c'est comment? Oui, demain tu es au magasin. Demain je vais arriver là-bas. À 10h, je serai là. Apparemment, ils ont... les femmes là disent qu'elles vont me taper à Château Rouge. Les vieilles vendeuses de. Elles ont dit qu'elles vont me taper demain à Château Rouge, que je ne passe plus jamais là-bas. Donc demain, je donne rendez-vous devant chez toi. Je lance le direct. Elles viennent. Demain, je suis là. Ouais, elles ont dit qu'elles vont me taper, non. Je suis à l'aéroport en train de rentrer. Bien pour pas m'gamba. Non, je vais venir. Je suis au Cameroun, je vais venir. Non, je viens. Hey. Non, je vais venir. Elle hey, menace qui? Dis donc, elle fiche au camp. Je vais venir là-bas. Mais donc, as-tu ou non? Ouais. Donc, en fait, comme je suis là, en fait, on prend la ceinture, ils vont me taper. Moi, une ancienne racaille. Une fille qui a grandi à Roubaix, dans le nord. La racaille de ça. Donc, on va me taper. Genre, on va me taper. Hein? Une fille comme moi qui a grandi, ma copine est née à Madagascar. Moi, j'ai grandi à Roubaix. Les trois chaînes. Oui. Ah, je crois pas là qui. Moi, j'étais chauffeur. Donc, les conneries qui passent par le secours. Donc, il va arriver, c'est fatigué. Comme les gens disent, nous sommes en 2023. Je vais dénoncer quand il y a dénoncé. Oui. Quand Aïcha Kamoz parle, vous ne dites rien. Quand c'est Fleur de Limoff, j'ai dénoncé. Viens rendre les verres, c'est tout. Attends, la lionne que Coco est, non, c'est pas Coco Emilia qui peut dire ça. Que c'est. Quelle façon on commence à regarder à qui le bébé Sophie ressemble. On peut bien regarder, on peut commencer à regarder là. Non, 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 non. Le culot de Reims, arrête de dire que organisez-vous pour protéger ma femme. Qu'ils vont me faire quoi? Oui, Koun, c'est le vrai amour. Merci pour mon cadeau de Noël, mon frère. Tu m'as gâté. Eh? Non, tu es quelqu'un. Tu es un homme. Eh? Merci, mon frère. Tu m'as mis en haut. C'est grâce à toi qu'elle fait les courses comme ça. Hey, la bonne année, papa. Hey, je ne m'attendais pas. Que Dieu te bénisse. Quoi. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Tu es quelqu'un. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne te connaissent pas, mais c'est mieux ainsi. Adamou Chopi, il a Douala, non?
Ouais, le deuil. Le deuil, si, c'est quand même, c'est grave, ce deuil, parce que il y a des soirées à Paris avant le deuil. Mais beaucoup de gens ne se sentent pas capables d'aller dans les soirées avant l'enterrement de la doyenne. La vie va reprendre à Paris après. Oui. Merci à Koun. Quand tu étais avec les autres, ne voyais pas. N'oubliez pas, il y a l'anniversaire de la milliardaire Joséphine Bayan en Angleterre, à l'hôtel. Comment on appelle les grands hôtels des milliardaires là? Koun, comment on appelle ça? Hôtel Le Ritz. Non. Oh. L'hôtel le plus chic de UK. J'ai oublié, c'est le 11. Le 11 février. Son anniversaire. Chacun va valider son chaos. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez chercher vos papiers. Vous ne cherchez pas de papiers. Vous me jalousez parce que beaucoup là. Mais j'avais passé, vous êtes sans papiers. Vous ne pouvez pas faire le tour au Cameroun comme je viens là. Ça vous fait mal. Vous allez chercher vos papiers. Que de rester là, trop pâle pour rien. Cherchez vos papiers. Les passagers à destination d'Addis Abeba, Sudan Ethiopian Airlines 925, sont priés de se présenter à la porte numéro 1. Les passagers à destination d'Addis Abeba, Sudan Ethiopian Airlines 925, sont priés de se présenter à la porte numéro 1. Merci. Merci. Ethiopian Airlines passengers going to Addis Ababa on flight 925 are strongly requested to proceed against the board. Ethiopian Airlines passengers going to Addis Ababa on flight 925 are strongly requested to proceed against the board. Ce sont les gens comme le Marriott, non, ça c'est le Ritz, non, c'est pas au Marriott, il y a un autre. Oh là là, le Marriott où j'étais le mois dernier là, à Atlanta, c'était magnifique. Le Marriott à Atlanta, les hôtels sont trop chics aux États-Unis, mais il y a deux lits. Quand tu es fatigué de dormir dans l'autre lit, tu changes. Franchement, l'Afrique restait l'Afrique hein, en tout. Mais j'ai visité un truc. Les gens font quand même les beaux trucs ici. Hein. L'Afrique quand même restait l'Afrique. Mais ça va bien. Oui, des rites, oui, c'est ça. C'est où il y a l'anniversaire de ma belle chérie. Son anniversaire. Ça sera du venez voiler du vie. Ouf, avec cœur, je vais vous laisser haut. Bisous, bon. En tout cas, demain, bisous. À demain sur Paris. Merci encore à tout le monde. Love you, baby. Ok, tomorrow, in the morning from Paris. Ok, love you so much.